Ah, je suis addict. Je suis addict. Je suis addict à Hades. J'ai coupé la musique que j'ai de base là. Run Chase TFL pour le summer, oui! Elle arrive soon! Sur le titre du stream. Il y aura plein de LOL à partir de demain là, team, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la saison, c'est un peu rien. Petit gameplay Hades. On a fait 4 nuits, on a joué hier. Regardez, j'ai pas triché hein. Dernière partie, 21h55. Hein. Je ne vous ai pas menti. Donc c'est petite découverte du jeu pour l'instant. Petite découverte du jeu. Ah oui, c'est vrai qu'on a débloqué des armes. J'ai pas envie de jouer avec ça. Attends, c'était quoi ça déjà? Ah oui, je peux pas le charger en fait. Juste au bout d'un moment, ça charge tout seul. À force d'auto-attaque. On va tester les lames, mais. Je pense que c'est un peu gâché. Je pense que la run va être un peu jetée. Tu as joué de coacher un streamer sur le rôle de la décarry? Ça dépend qui c'est. Oh, Zeus! OMG, Zeus, il a du flow! Oui, pour que coacher un streamer, si je le connais, ouais, si je le connais pas, j'ai un peu la flemme, j'avoue. Est-ce que le pile maximum est réduit de 70%? Votre tu en les ennemis en continu. Là, chargé, chargé, ça fait quoi? 1820 de dégâts. Moins de 3 secondes. Ouais, c'est pas mal, mais est-ce que j'abuse de la mana avec ce Q? Merci Pradbis pour les 8 mois! Prendre ça. On va tester là, on teste des. Oh, putain, on teste des nouvelles armes, faut attendre que je m'habitue un petit peu. Hein. Faut juste que je m'habitue un petit peu à cette arme. Avoir des armes Lorange, ça me dérange pas, mais je trouve que c'est assez dépendant des augmentes que j'ai quand même. C'est moins stable en général. Le feu, ça peut vraiment être big par contre sur le setup. Vu que je mets beaucoup d'auto, Zeus, ça m'a l'air d'être un vieux lubrique. Alors que pourtant, dans le lore, hein. C'est le pervers of all time, frère. Zeus Palmarès, fais absolument tout ce qui bouge. Allez, buff-moi mes auto-attaques, s'il te plaît, que je brûle. Pas où, votre glyph, on continue. Votre technique Q. Enfin, Q, pardon, excusez-moi, je dis Q, mais. Ah oui, je peux sublimer. C'est également projectile explosif, mais consomme 10 de mana. Allez, je vais le prendre en épice. Ah! Si, j'ai assez de mana. On descend pour l'instant. Ouais, la technique Q, excusez-moi, c'est Alpha. Tape un peu plus quand même que mon coup droit avec l'autre arme, ça, déjà. Pourquoi c'est en rouge d'ailleurs, les gars? Là, quand je fais ça, pourquoi c'est genre 19 en mode stock Les dégâts comme en bronze, là. Parce que j'ai 21 mana, c'est que je peux pas monter plus haut? C'est vrai que c'est mauvais, faut que je fasse gaffe avec cette arme. Je peux charger plus si t'as pas la mana. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Obligé de prendre ça, ça me fait chier mais. C'est 25 max le. Oh, je vais, je prends des dégâts pour rien.
So. Zeus. Ça, je sais plus ce que c'est. C'est Athéna ? Non, c'est pas Athéna. Ah, t'es quoi, on va voir. Je sais plus ce que c'est, ce que ça donne. Athéna, c'était le bouclier. C'est le bouclier. Ah, il est chiant, lui. Ok, c'est 25. Ah, je fous griffe. Enough. Lui donner un petit cadeau. Ah oui, c'est Apollon. Apollon il donne des trucs bien ou pas, je m'appelle. Ah oui, c'est le truc ébloui. Ah non, j'aime pas ça. Pas dégueu. C'est bien, mais fait déchirer le cul, je vais prendre ça plutôt. 10% de chance de double auto vu que j'ai envie de faire un build genre on it fire. Enfin mes chances de proc le fire aussi. Hein. Mais là j'avoue que je suis pas parti sur une bonne run. Hein. Vous avez dit que je pensais que j'allais galérer avec cette arme. Elle est trop low range. En trop de dégâts bêtes là pour l'instant. Ça doit être idiot au clavier, moi je trouve ça mieux. Ah merci. C'est quoi ça? Un champignon? Ok. Là. Et masse truc avec. Un peu d'argent, y'a rien d'autre à prendre. Y'a rien d'autre. Bon, sans gold on est obligé d'aller là hein. Aidez mon ajout de musique, les musiques j'ajoute après les streams, Iska. Et là de toute façon y'a pas de... J'ai la musique du jeu donc t'auras pas de... Comment dire de... De musique qui peut passer en même temps à part le... La playlist du jeu parce qu'elle est... Les OST sont pixel perfect. C'est bizarre la technique. De la thune amélioration d'un truc. En vrai, je peux passer un truc niveau 2. Hein. Ouais, je peux passer un peu tout le level 2, ça peut être pas mal. Pardon, César, t'inquiète, t'inquiète, je te préviens. Quel con. C'est vraiment les mots que t'as en interaction de prendre les dégâts de cette merde. Hein. Ou plus de damage. On somme 10. That's better. Faut occuper du nectar. Hop, ça bosse. Trop fan de l'arme pour l'instant. Après t'as beaucoup d'itération de dégâts donc en DPS c'est quand même assez élevé mais j'aime pas trop. Oh putain. J'aime pas trop la technique avec l'arme. Vraiment que j'ai hâte de prendre des dégâts, je vais crever contre l'autre en plus je pense. En first là le premier boss.
Ma bro. Ma bro arachné. Bah pour moi tu situerais comment? Pour le moment, pour moi c'est à peu près même tiers entre guillemets. Après je suis pas encore, j'ai pas encore découvert beaucoup le jeu hein. J'ai joué genre 2 heures. J'ai fait 3 boss mais c'est, j'ai l'impression de jouer au même jeu. Mais genre avec un DLC tu vois. Donc pour moi c'est genre, pour le moment c'est genre aussi bien que le 1. Mais comme si je pouvais rejouer au 1 en le redécouvrant tu vois pour l'instant. Allez ma boire acné. Oui c'est E4 ça. No, I suppose we are. Huh. Well, look, you show her for me the next chance you get. Well, voilà, bro. On peut attendre de 15 votre mana 40% plus rapidement. 5 mana par seconde. C'est plus de gars avec les glyphes pour le moment, mais les glyphes font pas trop de damage. C'est que 10 HP, je pense que je vais prendre ça. Oh, des dalles. Oh, frère. Oh, mon frère, ça va me faire step up ça. On attaque Q contre une plomb sur flash, inflige 400% de dégâts mais consomme plus 20. Vous pouvez maintenir votre touche d'attaque pour frapper en continu mais vous ne pouvez plus exister votre attaque alpha. Chaque coup successif porté à l'ennemi avec votre attaque, votre technique inflige plus 4 points de dégâts de base. Ah, j'aimerais bien savoir ce que ça fait ça en fait concrètement genre. Ça, ça a l'air vraiment big mais je sais même pas si j'ai assez de mana pour le faire actuellement. En mana max que je suis qu'à 30. Ça je sais pas trop si c'est intéressant, parce qu'en fait je peux le spam dans l'absolu. Ça c'est un peu gaze. Le premier reste le must je pense. On va try. Ah, je toupie là c'est... j'ai pas la zone. Ok. Je toupie là c'est, ça va. Oh, maintenant on revient tellement vite. Le 1 est très fort, ok bon, bah, bon choix. Bon il va pas falloir mourir là dessus. Mais heureux, c'est donc que les lames sœurs sont révélées à toi, les autres armes nocturnes ne devraient plus tarder à en faire de même désormais. Tu sais que Nyx vous les a confiées en tant que dernier recours pour tuer le royaume, mais ça ne peut pas être comme ça qu'elles devaient être employées. Sache, Meinoé, que je devrais venir à plus d'une myriade d'obstacles en tout genre protéger notre monde, je suis que l'un d'eux. Attends, mais du coup, c'est ta tour de monde? Ok, P2. Je fais beaucoup de dégâts P1 par contre. Un peu d'argent. Alors tu m'en veux pas hein. Oh les damage, bon. Ça, faut que je fasse quelqu'un de tank pour moi je crois. Ça me pète les couilles de devenir un mouton. Et va te faire foutre. Sous de ma gueule en plus. Je cancel. Non ça revient, vas-y ok. Essaye de prendre des free damage.
Ouais, quasi dead, hein. Porte. Ok, puis-tu te montrer plus féroce encore après des ennemis qui se dressent sur l'aise de ton chemin. Bon, j'ai pris beaucoup de damage pour rien. Au moins on est vivant, c'est déjà ça. Le truc attaque automatique, les gars, quand je reste appuyé, c'est genre... ça a un intérêt overall de spam ou c'est juste du confort de jeu? Je sais pas comment expliquer, mais... Tu vois, imaginons, si je laissais appuyer, je ferais les mêmes combos que là. Ah, encore lui, Kronos. C'est confort de jeu. Ok, ouais, ça, je laisse. J'ai beau être le maître de ce domaine, jamais je n'oserais m'aventurer dans cette forêt. Tu as même réussi à retrouver tes repères malgré ton petit détour dans la forêt. Il est vraiment irrité de voir que ma petite fille est aussi faible qu'elle est sotte. Cela dit, tu as été difficile à retrouver. Je devrais remercier les morts d'avoir enfin permis notre rencontre. Les morts d'en avoir avec ma famille. Dans tout ça, c'est toi qui m'as pris ma famille. Mais pas leurs erreurs, nous paierons sans doute un jour à surmonter ce triste début de notre relation. En tous les cas, à bientôt. Tu m'as reparlé parce que je l'ai tapé ou... Tu m'as reparlé là-dessus. Perso, ici, je l'ai fumé. Ouais, j'ai tapé aussi. Hein. Bon, normalement, j'ai pas... Attends, mais deux secondes. À un moment, je sais pas, ici, la toute première run que j'ai fait, j'ai... l'autre, là, qui me met les malédictions. J'ai plus son blaze, là, avec son gun, là. Elle m'a maudit ici. Il y a un mec dans mon chat qui m'a dit, en vrai, c'est bien que tu le rencontres maintenant. Le truc, c'est qu'à chaque fois, c'est 5% de dégâts en plus à chaque room que je fais. C'est Eris, merci. Je la rencontre maintenant, frère. En fait, je me fais atomiser. Pourquoi le mec, il a dit, c'est bien que tu la rencontres maintenant. J'ai la data, tu veux la data? Non, c'est... Putain. Ouais, du coup, ah oui, mais j'ai pas la main à prendre. Je tue tout le monde là. Ok, 500, oh, ça m'est arrivé là quand même. C'était une info chat. Hey. Je me suis dit, ok, ça va me donner un bonus qui scale ou quoi? Non, que nenni. Ah bah, oh, je fais des dégâts. Un peu plus de mana. Des os ou de ça? Vas-y, de ça. Ça a bien scale, oui, mais pour te casser la gueule. Et oui. Ça safe, hein. J'ai perdu trop d'HP là. Ok, y'a pas beaucoup de range quand même. Je crois pas que ça fasse des dégâts ça. Non, juste ça stay. Des HP fontaine. Ah, on va prendre. Enfin, fontaine shop. Robo shop. Tu sais que je vous rapporte l'ordre de Kronos que je trouve, mais je sais aussi qu'il n'est pas possible pour vous d'ouvrir cette marchandise, je ne veux pas abuser. Oh, MG! Une carte! Mon frère, je peux. Je vais me battre contre toi. La plaque applique l'état chargé. Votre ruée faudra en continuer à proximité. Vous concentrez 50% de manière sorte que votre coup produise des étincelles. Après, ouais, parce qu'après, je peux plus faire mon. En fait, si je prends ça, ça baisse tout mon truc. On va prendre ça. Hein. Au pire, je le remplacerai. En fait, ça, c'est guess. Je trouve que j'utilise jamais la ruée, donc c'est guess pour moi. Ça, j'ai même pas la mana et je pense que c'est du big griff parce que j'ai masse truc de régène mana, donc on va prendre ça pour l'instant. Vas-y, on se heal au point. Non, mais... Oh, parfait, du feu. Je pense qu'il me faut. Je crois que tu peux pas, ouais, peut-être ça se trouve, je pouvais même pas.
Non. On joue safe, hein. Dead. Pourquoi ? Il a pu s'échapper ? Je crois que je t'avais déjà donné un cadeau à toi. Oh dommage, on va prendre ça du coup. Je prends votre technique, afflige l'état brûlé. Votre truc détruit par des projectiles sur votre chemin, t'as impliqué l'état brûlé, on va prendre ça. Je reburn les mecs, je vais bien aimer avoir le buff de l'attaque. Je trouve ce foutu serpent plus dur que les 4. Ah il est pas compliqué, faut juste être être rigoureux slash patient genre. Need to recharge. Hop, meurs. De rusher sur la game. Ah non c'est moi. Ah oui c'est le truc de Zeus là ça. Oh c'est... Je suis trop lourd à full time frère. Vraiment des dégâts pour rien. Y'a rien. De la merde. C'est quoi? J'open bien sûr. Venez mes gars. Allez vas-y par là. Je récupère un peu moins de mana maintenant que j'ai perdu mon bouc, enfin mon petit vêtement d'arachné malheureusement. Un peu plus long du coup. J'ai pas non plus beaucoup de DPS. Tellement interdit pour un dégât de ça. Ok, il est mort. Tu es aussi. Ok, mais un peu fort. Hein. Laisse mettre égal surcoté. Oh, clavier souris, moi je trouve ça très bien, je joue au 1 comme ça. Oh. Quoi de l'argile? Je vais reprendre du feu, j'ai envie de buffer mes autos. Oula. La smoke. HP perdu frère. Et ils activent les trucs aussi. Bon, venez, on va jouer ça un peu tranquille.
Fais gaffe quand même de pas tomber dans le dans les AOE là. Sa mère, je me suis fait arracher le cul. Votre fait de brûler fait plus de dégâts à mettre vos adversaires, vos techniques on les fait brûler, votre truc est détruit, blablabla, on va prendre ça. They will burn. J'ai oublié d'aller prendre de l'HP là. Pour la sauce. C'est le boss? C'est le boss. Ça va être délicat, je pense. Avec le setup qu'on a. Is it any better than the one I heard on? No, it's not, because all. 1, 2, 3, 4. Merde, c'est vrai. C'est qu'elle va être chiante à focus. L'objectif c'est d'essayer de les paquer. Parce qu'elles prennent pas là-haut les deux là. Non. Les musiques sont excellentes par contre. Casser la batterie. Ah. C'est quoi ça, le crash devant ça? Ok. On va tempo. Elles sont bien à côté les deux. Et c'est la guitare aussi. Ok, j'ai eu les trois. Ok, P2. On peut pousser. Pour l'entrée P2. Oh sa mère. Non, je prends un coup de micro. Arrêtez. Ah oui, c'est ça que j'ai dit. J'ai oublié les détails. Ah, je peux lui taper dans le cul. Bon, la vie elle va pas durer longtemps, hein, je vous le dis. C'est la merde. De feu c'est pas mal, ça explose potentiellement sur les deux. Oh non, elle m'a chargé. Ouais. Pas fou. Je me suis fait casser la gueule. Je me suis fait... Ah, Princess of the Underworld. OMG. D'ordinaire, j'interviens jamais quand on devient la fin d'autrui, je me contente seulement d'observer. Moros, l'émissaire des morts, alors vos sœurs ont entendu mon appel finalement. Elles souhaitaient que je vienne à votre rencontre car elles ont quelque chose à vous remettre. Quelle que soit votre destination, vous trouverez ce dont je parle, j'ignore si nous verrons alors adieu. C'est un honneur. Offrande reçue, la liste destinée. C'est qui lui? OMG, c'est qui? Ah, my bad. Je savais que je ferais pas une très très bonne run avec ses armes. Je connais pas encore assez le jeu, je pense, pour jouer l'Orange. Stock là? The modestly appointed tent of. This memory of all you lost. It stokes your want for vengeance even now. Okay, c'est bon, je peux partir. Je vais juste revoir le tableau. Dora, couldn't help but
Tu m'empêchais de remarquer le désordre de mes stagiaires à beaucoup. J'ai vu notre poserie mes herbes avec mes champignons. Est-ce que tu sais de me rendre folle? Maintenant que tu dis, peut-être que c'est ce que je ferai à partir de maintenant. Je m'entraînais juste à poser de petits trucs et ton bouquet à champignons a glissé. Du coup, je l'ai remis. Je donne des trucs. Ah, c'est ça du coup? C'est les quêtes? Hop là. La méfie du dieu des morts mettra son hôtel, pour atteindre un niveau de maîtrise arcane supérieur à égal à 14. On fait le gardien du Tartare, rencontrer Artemis, rencontrer Hermès. Ok, il faut tous les trucs. De toute façon, c'est en jouant, quoi. C'est les petites quêtes. Ok, qu'est-ce qu'on peut craft de beau? Divination des éléments. On peut tout faire, hein. Chacune de vos armes est posée pour la soif au sol et que peut maintenir quelques ossements en plus en quitter une zone. Ok, ouais, ça c'est les trucs classiques en mode t'avais ça dans l'un aussi, t'as une arme en mode j'y joue avec cette arme, t'as des bonus quoi. Améliorer votre mémoire, enregistrer une recette avec l'hydro à tout moment pour les ingrédients nécessaires à stérilisation. Ok. Katarski Narski. Merci Neoops pour les 10 mois, merci beaucoup. Et les bienfaits élémentaires cachés. Voilà, Jonathan, au fond de nouveaux bienfaits, permettant d'exploiter celle-ci. Let's go, pas trop capté, mais go. Hein. Merci beaucoup, Ourou, pour les 5 mois. 6 mois, pardon, même. 6 mois. On lâche 3 mois pour ce banger. Ce banger. Merci beaucoup. Ça, je peux pas encore. Allez, on craft ça. Doucement en plus. So it shall be. So mote it be. The fates indulge. Les morts t'ont écouté ton compte fait, leur liste a suivi hors des ténèbres, le mot affiché près de ta tente. Les destinées me demandent seulement d'assurer le bon déroulement de certaines processus en grande importance. Je te demande de récompenser tes efforts, cela dit, ne t'attends pas à ce que les morts agissent constamment en ta faveur, l'ennemi de notre ennemi n'est pas toujours notre ami. Mon frère Ulysse, je peux toujours pas. Ah si, je peux te faire un cadeau, Ulysse. Tiens, mon bro. Donne une nectar depuis un moment. Qu'est-ce que tu me donnes de beau? Osselet usé. J'ai reçu un rapport très troublant tout à l'heure indiquant que certains individus auraient aperçu les yeux de l'Erebe parce que le clore ont vu juste. Et c'est toujours Chronos, frère. Pourquoi est-ce qu'il m'a laissé partir à ton avis? Est-ce qu'on a été compromis? Personne n'est pas accédé à croiser des chemins sans notre permission ou sans même savoir que nous sommes ici, pas même lui. S'il veut perdre son temps à nous chercher, alors soit profitant pour te rapprocher de ton objectif. Allez, ça part. Je t'avais déjà donné un cadeau toi ou pas? Je t'avais pas donné toi. Tiens, prends. Donne-moi des bonus un peu. Pas Brunemesis. Merde, je vais déjà. Ah non, c'est mauvais œil. Plus ça me fait une quête. Il était délivré par le Seigneur Moros en personne, il a l'air pressé lors d'un tronc, était très de vrai, vous connaissez bien tous les deux. Les enfants de Nyx, personne ne se connaît vraiment, mais oui, on se croise parfois, quand on est mortel. Un certain genre doit avoir ce qu'il mérite, ça nous concerne tous les deux. On va pas la faire chier la milice. Oh, c'est quoi ça? Oh. Ah ok, c'était le truc qui me disait... Livraison au bout de 20, bah, je vais prendre ça. C'est 20 nuits? Attends, mais c'est 20 combien de temps? Enfin, c'est 20 nuits, et on n'y est pas. Hein. J'sais toujours pas quoi sert le fil du destin pour l'instant, donc en vrai, on va. On va acheter ça. Et normalement, j'ai fait ouais la quête ici. Nice. C'est 20 combats? Ok, merci la team. Parce que j'étais en mode 20 nuits, c'est long. Et du coup, j'ai fini ça. Je peux récolter mes petites fleurs. En fait, le premier truc que j'avais mis, c'était ça. Il y avait marqué 5, tu vois. Je savais pas combien de temps ça a duré. Tac, 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 tac. Ouais, voilà, je me demandais si je pouvais pas crafter un nouveau truc. Vous avez parfois un puits de charron lorsque vous arrivez dans une zone au cours de vos périples des enfers. Headmistress, si je peux. Si le temps ne peut pas être arrêté, nous allons voir. If spill my blood, I must. So mote it be. Merci beaucoup, Guri. Ok, nice. Bon, c'est pas dégueu, hein. Oui, c'est fait. C'est... On lui a donné déjà. Ça bouge. Hein. Nouvelle run. Just breathe.
Nouvelle run, je peux pas encore améliorer. Story 2 de mana par seconde. Commence la nuit avec 200 gold. Ça coûte 5 ça. On va prendre ça. Ça coûte 0 de toute façon. Enfin, ça coûte 0. L'équipe est free. Donc, il fait un chien, 50% de dégâts de base. 50 points de dégâts de base quand il explose. Ça, je vais peut-être l'enlever du coup. Après, je peux rien apprendre d'autre pour l'instant. Et de toute façon, je n'ai pas assez de cendre pour apprendre quoi que ce soit d'autre. Donc, on se casse. Alors, c'est quoi les nouveaux bonus qu'on a? Les 20% de dégâts à l'ennemi responsable de votre dernier échec. C'est l'actuel Jesse. Je faisais moins 15% de dégâts de la part de gardien. Le prochain gardien que vous affrontez perdra immédiatement 5% HP. C'est les boss de la part d'Ulysse. Et ça, c'est Estia. Faut l'améliorer encore. Bienfait peut être sublimé tant qu'ils ne sont pas de qualité supérieure à rare. Ouais, je pense qu'on va garder ça. Ça, c'est pas dégueu, hein. En vrai, ça, c'est le plus OP, je pense. On va prendre ça pour l'instant, vu qu'on est un noob. On va prendre ça, vu qu'on est un noob pour l'instant. Le temps d'apprendre un peu. Hop, vas-y, on va jouer avec le spectre. En plus, il est buffé là. Ah, j'ai une nouvelle arme ? Tablette de paix. La tablette de paix. Ça fait quoi ça concrètement? Ok, soit je mine, soit j'ai la tablette. Et ça fait. L'appel, ça permet de déterrer des trucs. Non, j'ai pas encore. La pioche, ça me permet d'avoir de l'argent et tout. Et ça, convoquer certains zombies solitaires de rejoindre la croisée du chemin et obtenir ainsi une grande quantité de psyché. Le truc, c'est qu'après, j'ai besoin d'argent pour craft l'appel en argent. Un canapé, c'est ça le plus du destin. C'est des créatures aquatiques à échanger contre des ossements. Voir qu'un seul truc du coup. Et là, je l'ai comment? 15 d'argent. Ouais, je fais une run avec la tablette, voir ce que ça donne. Et après, on reprendra l'appel, je pense. Par si vraiment j'en ai à balle. C'est pas plus mal, c'est pas à débloquer des nouveaux bonus de psyché. Et là, l'appel reste quand même mieux. Ah. C'est qui ça? OMG! C'est l'aîné. Attends, elle a un flow, incarnation de la lune! Elle a un flow, frère! Votre sort! Appuyez sur F pour avoir dépensé suffisamment de trucs pour appeler au pouvoir de la lune. Attends, mais on a un spell! C'est nouveau ça! Votre sort lance un projectile tracker puis qu'on les fait métamorphoser un maximum de 10 ennemis. C'est comme dans. Putain, j'ai oublié qu'on a des ultis dans le. Votre sort ralentit vos ennemis autour de 80% pendant 5 secondes. Coup de recharge. Ce sort se développe à la vitesse normale. Le prochain fragment d'étoile que vous trouverez ne vous permettra pas d'acquérir la plus d'aptitude possible. Votre sort émet un rayon de lumière infligeant 1200 points de dégâts sur 3 secondes. 120 de mana, 140. C'est la mana que j'ai besoin pour l'utiliser, c'est ça? Je vais prendre ça, je pense. Ça c'est vraiment pas mal, mais je vais prendre ça, déjà ça coûte moins, en plus ça coûte plus cher. Par contre j'ai 3 lunes, c'est quoi? Attends, c'est quoi exactement? Ça développe beaucoup plus vite, le prochain fragment d'étoile que vous trouverez vous permettra d'acquérir 2 améliorations supplémentaires. Et c'est une amélioration. On va prendre ça. Du coup j'ai mon spell. Ok. Du coup ça me coûte pas de mana, c'est 120 d'étoiles. Et je sais pas comment je le récup. Alors j'ai moins de DPS mais je suis beaucoup plus safe. You shouldn't have crossed me. On va prendre la thune pour l'instant. Hein. Let's
Ok, 100 gold. Ça, je vais en avoir beaucoup normalement. On va go là. Tu peux nous montrer ta lune à ton tour. Attends, j'ai pas encore trop capté comment je récupérais mon ult donc. Déjà, je comprends le fonctionnement de ma propre lune. On verra pour la suite. Allez, on est bon. Essayez de prendre des damage free. Ok, c'est mon frère Zeus. Oui, backstep pas. Je vais poser des questions, mais je pose des questions pour moi, les gars. Quand je vous pose des questions à vous, je pense que vous capterez quand c'est genre je me parle à moi-même et que. Et des fois, quand je vous demande vraiment des vrais trucs, genre. Ok, j'ai déjà fait un K. Oh non. Bon, ça, un hit, c'est pas trop grave. J'ai le 2 HP par room. Mon oncle. Allez, amène-moi Zeus. C'est quoi ça? Ah! Nouveau élément. Vous pouvez désormais percevoir les essences élémentaires des bienfaits. Celles-ci se déclinent sous plusieurs formes. La terre, l'eau, l'air et le feu. Et peut-être plus encore. Lorsque vous assimilez au moins l'une d'elles durant vos périples, les Olympiens auront une chance de vous proposer de puissants bienfaits de type infusion, dont l'efficacité augmente au fur et à mesure que vous accumulez davantage d'essence associée. Là, j'ai 3 trucs d'air. Et on est d'accord, du coup, l'idée c'est de garder la même. Essayer de stay dans le même élément. Attends, je foudroie les ennemis carrément. Je perds quand même beaucoup de mana. Hein. 70% de mana perdu, c'est trop, frère. Prendre dégâts tous les 0,25 secondes, vas-y, on va prendre ça. Un meilleur bonus. Aphrodite, un peu de gold, ça go Aphrodite. Hein. Et ça avait commencé. Ouais, j'ai pas l'ulti, ça avait commencé à revenir, mais j'ai pas encore trop compris le système des lunes, des nuits et tout. Salut ma brave Aphrodite. Oh, vous attaquez un peu plus de dégâts aux ses ennemis proches de vous. Un ennemi est affaibli en permanence, vous restez votre mana lorsque vous êtes proche d'ennemis affaiblis. Vous concentrez 20 sur vos prochaines attaques en plus de dégâts de base. Ok, alors tout est bien. En vrai, tout est bien. De dégâts de base, j'ai pas beaucoup en fait. Je pense que je vais pas prendre 3 agites entre 2 et 1. À 2, c'est assez OP en fait. La région de mana perma. Aussi, je fais plus de dégâts. Le projet où je pense que je vais prendre 2. La région de mana, c'est assez OP, je trouve. Il y a un bruit à droite là, bruit d'oiseau. Rien du tout. Je peux pas récupérer mon ulti. Silk cocoons. Cocoons. C'est... Pourquoi ça se moque de moi? Oui. Arachné a été. Là. Je peux pas partir, je te le dis. Hein. Faut absolument clair la zone, frère. Ça se trouve, il y a du stuff encore. Y'a rien d'autre? Ok.
Les ossements du psyché, on va prendre le psyché. Pour le con. Ok, plus je suis proche, plus je récupère de la mana. Quand je tape le mec, je regarde un peu ma région de mana là. Ok, bon, c'est pas si bien que ça, mais ça reste quand même bien parce que globalement ça fait quand même 10% de dégâts en moins. Notamment si je fight des boss. En vrai, il est pas dégueu. Après, un peu de dégâts pour rien. Oh, pas beau Arachné. 14 HP récupéré là? D'argent. C'est ma bro. Arrête de me regarder comme ça, en fait je n'ai pas besoin de me regarder du tout. Admire donc plutôt toutes mes créations et toutes ces robes en soi, toutes les formes de couleurs ne sont pas magnifiques. Et tout choupi Arachné. Je voulais pas te blesser en te regardant, mais j'inquiète pour toi, j'ai peur que tu te plantes en sécurité ici. T'en fais pas pour moi, mon apparence, ses avantages, tu sais, par exemple, j'ai une très longue expérience de vie grâce à elle. Et ce n'est pas parce que tu peux me trouver que c'est le cas pour n'importe qui d'autre. Alors. C'est pas mal, pas ouf. Je peux leur sponquer une zone, on va aller, on est full life de toute façon. HP ou fire? Fire, je pense. Merci Mdal pour les 19 mois. Hades OMG, c'est beau. Arachné trop choupi. Oui, excuse-moi. Oh non. 9 damage là? Oh, je suis un gros troller. Je suis aucun DPS, pardon. Ou je mana abuse, parce que sinon j'aurais aucun dégât. Vous obtenez de la vie et de la mana, mais sacrifiez un bienfait pour Estia. En l'occurrence, c'est de conscience sensuelle. Conscience sensuelle, c'est ça? Je gagne combien d'HP? 50 de vie, 50 de mana? Ouais, c'est pas mal hein. C'est un peu gaze. C'est pas dégueu non plus. Oh ouais, je... Regardez mon bonus quand même. Possible de bouger la cam? On voit pas les boons. Tu veux que je la mets où? Un peu plus haut, un peu plus bas? Faut la descendre un peu si tu veux. Tac 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 tac. Full droite, ici? Vas-y, poser. Ah merde, c'est que je regarde. Je la porte les éléments. Trop de dégâts bêtement pour l'instant. Ça non. Oh non! Et voilà, c'est ça, non, frère. J'avais juste pré-shot, hein. Pré-shot la connerie, hein. Boutique. Hein. Oh, mon frère. Est-ce que vous connaissez la liste destinée? Oh. Ouais, bien plus aller mourir. Est-ce que vous avez une idée? Je peux te donner un petit truc je crois. Hein. Ok, donc c'est les éléments d'air toujours. La portée de pose de glyphe est augmentée. Celui-ci foudroie les ennemis dans la zone des fleurs qui sont posées. Dès qu'il applique l'étage chargé. Ça, je pense. Ok, c'est parti pour le premier boss.
On se retrouve, ma bro. Bon, faut pas que je perde mon shield cette fois. Sentier très astéré, sont si nombreux, ce genre de couvert refuge sont pratiquement nuls. Concentre donc plutôt sur le danger qui serait censé devant toi en ce moment. Ah, je peux choisir l'endroit carrément! Non, mais du coup, c'est elle le vrai? Ah non. Ok, les deux. J'ai pas encore trop saisi ce qui faisait vraiment des dégâts, c'est les trucs bleus ou les zones... les trucs verts, je crois que c'est les zones... Je veux rien, mais j'en ai marre d'être un mouton. Y'a qu'un tank pour moi. On peut plus, frère. Y'a pas encore un pool où j'ai réussi à ne pas devenir un putain de mouton de merde. En fait, je sais pas si c'est les zones violettes ou les petites zones bleues. En fait, les zones vertes, je veux dire. Dans tel cap, si c'est les zones vertes. J'ai l'impression que ça m'a fait des dégâts tout à l'heure. En tout cas. Je sais pas, on va le déchirer. C'est OP le glyph. Ah. Améa! Par contre, je sais. J'ai pas capté pourquoi ça s'est rechargé maintenant, mais. Plus sur le boss. J'ai eu un petit bruit, j'ai vu que j'avais récupéré mon ult. Ok, aise. Hein. Alors, on a toujours notre shield. Combo entre Utilux et Utivel Cause. Là, je paye mon poids. Il est pas là? Il y a un bruit d'oiseau, ça me dérange ça. C'est Hermès? Ok, un peu d'HP, c'est pas mauvais. Oh, j'ai un setup décent là. Des dalles, mon bro. Oh non. Qu'est-ce que t'as de beau à me proposer? Votre assaut contrôle sur flash, un plus 60% de dégâts de l'armure à vos adversaires. Vos techniques sont 20% plus rapides, un plus 5 points de dégâts de base. Vous pouvez canaliser votre technique pour acheter 300% de dégâts sur une plus grande surface. Ça aux F. Ah, c'est pas ouf overall hein. Prendre ça je pense. C'est pas dégueu en vrai ça. Ah, j'étais entre 1 et 3. Mais c'est un peu gaze, on va tester 3 et si c'est gaze on ne prendra plus jamais, de toute façon on est là pour. Ah je suis gagné 50 du coup aussi. Oh c'est un gaze. Oh
Ouais bon, c'est pas ouf ça non plus, mais c'est mieux que la boutique. Je sais plus qui c'est Narcisse. The mirror sheen. A lotus flower. Excuse me. Excuse me. Avec une seule règle, regarde, mais ne touche pas. Ok, d'ailleurs, le temps un peu plus de moi, tu es trop près et tu veux bien expliquer pourquoi tu viens ici aussi souvent. C'est la deuxième fois, frère, ça va. N'est pas chez moi, je suis juste là aussi parce que je suis en propre éclair et que je m'y trouve moins de prétendants que dans Lost Odell. N'oublie pas de prendre un cadeau avant de partir. Ah, déjà mieux déjà. 6 d'argent sans gold, j'aime bien. 30 de mana, 20 de psyché. 6 d'argent sans gold, mon frère. Hop. Narcus. Ah si. Ok. Je vois, je vois. Beau gosse, hein. Ah. Ah, c'est OP hein, de pouvoir choisir où je l'envole. Non, j'ai activé la smoke. Arrêtez de vous pro... Quoi ? Oh non. Quel bon os. Acheter ? Ah oui, c'est vrai. Restaurer immédiatement sa vitalité, recevez immédiatement des objets aléatoires du puits de charron. En cas d'échec, tous vos golds sont perdus et aucun ressort n'est accepté. Ces déplacements vont temporairement devant combat. Écaille de python. Quoi ? Ça coûtait 10 golds. C'est que 10 golds, un peu plus de mousse-pige, je peux prendre. Hein. Pas grand chose. Hein. On va open ça. De beau, de la mana. De toute façon, je vais très probablement prendre Zeus, mais je regarde que Yin Dings. Ah, j'ai récupéré ma lune. J'ai peut-être plus de mana que. Je viens de. J'ai une caisse du mana, genre. Ah, coup de recharge 120 de mana. C'est ça, faut que j'épense 120 de mana pour avoir mon ulti encore. Attends, mais c'est ça, c'est tellement OP. Aphrodite, ouais, je vais prendre le boss. Ok. Ah, c'est pendant le fight, ok. Bon, au peu que je pensais du coup. Bon, si, du coup, j'ai aucun intérêt à ne pas utiliser en fait. Ok. Perfect, ce grenouille. Donc, vous avez 10 de mana au moins, tous vos amis sont frappés régulièrement par la foule. Lorsque vous suivez des dégâts, assassin est frappé par la foule une fois ou plus dans 50% des cas. 100 jusqu'à 3 fois. Je prends pas de damage, moi, de toute façon. Je deviens forte. J'ai un peu de régène de mana, pas tant que ça. Après, j'ai 100 de mana quand même. Je vais prendre les golden ray. Oh! Oh, j'avais pas pris un dédale avec ma technique là. Si. C'est super gaze, j'ai l'impression. Mais cassez-vous, l'eau de merde!
J'en peux plus, ça cancel mes techniques. Mes cases de spell. Hein. S'envole. Y'a un autre dans le coin, non. Vas-y, va pas en nectar. C'est pas mal, j'ai un step descend sur les rooms. Un peu plus de dégâts que nécessaire par contre. Ouais, là c'est le chopin. 346 gold. Est-ce que c'est des dégâts? Ouais, c'est nul. On va prendre ça. Hein. Un petit peu de mana en plus. Rien d'autre à me dire, mon frère Chéron? Ah, je peux t'offrir un cadeau! Tiens, prends. Et toi bien. Porte-monnaie dorée. Chiche. Ok, boss. Je pense que là, ça sera bien plus simple que tout à l'heure. J'étais mort dessus? Non, je l'avais tué. Non, j'étais mort sur le boss, je crois. If you seek feedback from your fans, ask them. Je trouvais refrain plutôt accrocheur avec des paroles aussi choquantes, ça contraste, c'est déroutant. J'ai même pas fait attention aux paroles. Traverse ou pas? Qu'elle me fait là? Aïe, stun! Aïe, 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 machine CC! Musique de fou, hein. C'était littéralement grotesque. Of all time. On lui a ulti, hein. Aïe. Faites les couilles, elle. C'est moi qui me met des dégâts là. Ah, elle est morte. On va arrêter de me faire chier. Allez, hop, à nous deux. Ah, c'est un solo musical. Ok, nice, dead. Ouais, c'est stylé, hein. Je trouve ça stylé parce qu'à chaque fois que tu tues une des sirènes, genre ça enlève un instrument de la musique et tout, ça tourne, je trouve.
On a pris un peu cher, mais ça va en vrai. On va être full HP. Expiré ou non spectral? Ah oui, ça, je peux demander. Oh, on est full HP, donc en vrai, Osef. C'est quoi ça? Rien? Ok. Long way down. All this sorrow. Chant des pleurs, oui, c'est vrai qu'il faut pas se perdre ici. Hi, babe. Ah putain. Hello, Eris. Je vais lui parler. Ah, je sais que je n'ai pas la piscine, mais je pense pas que tu risques à nous trahir. C'est bon, frère. Est-ce que tu comprendras jamais, je veux juste passer un moment spécial avec toi, il faut toujours que tu pourrisses l'ambiance. Change pas de trinket. Comment ça? Peu importe que la conduite d'une personne soit reprochable ou non, elle s'attira invariablement la colère, la malice de certains. Oh. OMG. T'as de la chance de revivre aussitôt Henri, chapeau, chapeau. Sois guidé par le sentier des pétales dorés. Oh, dédale. Bien sûr, open. Bien sûr, open. Ah putain, j'aime pas cette merde! J'aime pas quand on attaque ma vision, frère! Fuck le fog, hein! Allez, donne-moi un bon truc. Oh, c'est mes trucs de quête là, ça? Vous pouvez exécuter un coup puissant avec votre technique. Plus 20% pour restaurer 5 points de mana. Votre technique crée 2 projectiles, votre attaque a une portée augmentée, plus 50% de dégâts aux ennemis éloignés. Ça, j'aime bien. Ouais, ça, en vrai de vrai, ce serait bien d'améliorer ma technique parce que j'ai pas mal de... Genre ça, je pense que c'est vraiment le must, mais j'aime pas trop jouer au clic droit. C'est beau ça. Oh, j'étais mon range. Oh merde. J'aime pas trop jouer au clic droit, mais je pense que le plus opti c'était 2. Et tu joues au clic droit, genre. Et là, frère. Aucun damage. C'est quoi? Oui, qui tape, hein? Amelio ou... C'est super nul ça en fait. Donc vous avez 10 de mana au moins. Je pensais que je crois que c'était 10 de mana ou plus, moi. C'est dégâts, ça? Y avait pas des petits trucs... J'avais vu des petits trucs dans cette salle à récup, genre des petits bonus de merde. Ouais, genre ça. Rien d'autre. C'est quoi ce truc? Ah, je vais juste me donner un shield. Ok, 20 shield, let's go. Oh, un peu de mana. Il y a trop de trucs dans cette room. 10 de mana max, Zeus. C'est Zeus ou Zeus? Il y a des mobs ici, rien. D'ailleurs, cette histoire, non? Je peux pas savoir s'il reste des trucs que vous m'aviez dit déjà. Et on bouge, hein. L'arbre te donne la pose des items. J'ai pas encore. C'est quoi ce truc? C'est bon, et vous êtes combien? C'est bon, j'ai un, deux. Bon,
moins 2, j'ai l'ult. Oh merde, elle m'envoie un truc. Pas de finger. Ok, je l'ai perfect. Eh, viens à moi, Zeus. Mon frère. Blablabla. Oh, un petit duo. Alors ça, on s'en fout. Votre concentré 50 sort que vos coups produisent des étincelles. Ça peut être vraiment pas mal. Vos effets de charge appliquent également les tabouriers lorsqu'ils sont déclenchés. Vos coups produisent des étincelles quand c'est coups. Vos coups, c'est genre toutes les attaques que je fais. Je pense que c'est le plus OP, mais ça c'est pas un élément, on est d'accord du coup. Genre j'ai R, rien, R. On est d'accord? Ou le 2, il y a un élément genre de... C'est une vraie question que je vous pose dans le chat. Le petit truc en rose là. C'est quoi ça? Ah si, c'est un élément aussi? Terre, eau, air, feu? C'est quoi ça? Le 5 éléments d'air. Je vois pas trop capter à quoi ça servait. Bon, ça j'ai l'impression que c'est OP hein, quand même. Hein. Je perds 50 de mana, j'en ai un peu rien à foutre. J'ai déjà plein de mana. Et je gagne 20 de dégâts en plus sur chaque itération de dégâts que je fais. C'est ça, c'est OP frère. Arrête, ça c'est pas mal aussi, mais. Les duos c'est fort. Ouais, on va voir ça. Thunderous power. Je sais pas trop quoi ça servait le. Ah tiens, je l'ai jamais vu lui. Parfait. Je sais pas trop quoi ça sert les éléments pour l'instant. Je viens de l'avoir, j'ai pas encore tout capté. J'ai griffe, mais. Osef, on découvre. Ah, c'est qui? I mean you no harm. I mean you no harm. You no harm. No harm. C'est qui? That makes two of us. Est-ce que tu regardes ombre? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? I could ease your burden. Your burden. Ah, elle copie mes trucs. Obtenez une copie de la récompense de la zone la plus récente. Bien fait de Zeus. Vous avez un bienfait aléatoire avec vous comme la nuit précédente. Vos chances d'esquive augmentent de 50%. Vous perdez 2% de ce bonus chaque fois que vous esquivez une attaque. Ça, c'est bien, mais ça scale pas en fait. Pour un bienfait de Zeus. En gros, je me donne un bienfait. Soit un bienfait de Zeus, soit un bienfait aléatoire. Zeus, c'est Hog, j'ai des bonus un peu ou pas? Pas mal de trucs de Zeus déjà, vas-y, on va go de Zeus. Hein. I don't know who you are, but thanks. Oh, une infusion. Ok, tant vous possédez au moins 5 R, tous les dégâts vous infligez ne peuvent être inférieurs à une certaine valeur. Dégâts minimum infligés de 30. Attendez, mais... Ça c'est Omega Broken. J'attaque, je brûle les mecs. Chaque tuer de dégâts va faire au moins 30, vous avez actuellement 6 d'air. Donc je peux perdre de l'air théoriquement. L'infusion de Zeus. Vos effets de charge infligent une fraction de dégâts s'ils expirent sans être activés. What is this? Activer R pur. Ok, j'ai une infusion. La cible subit 40 points de dégâts accumulés pour cet effet par seconde. Ah, peut-être que c'était pas, si fort que ça. Pacifié. Ok, ok, 2 secondes, j'apprends. Ok, ça c'était ma tablette de pacification, c'est ça? Je peux traiter d'autres mecs que je peux pacifier. Du coup, j'ai fait mon petit truc, j'ai gagné 40 de psyché, je suis pacifié un mec avec la tablette que j'ai pris à la place de la pioche. Ok. Soit HP Gold, soit Mana Zeus. Mana Zeus?
Ah, je peux dire, c'est pas mal. Ouais. Ça merde les dégâts. Something for me. Open. On est pas mal hein. Par contre les Warwick ils sont... Oh quelle honte à... Oh la Melchio, j'ai pris frère. Les 32 dégâts qui prend qu'en boucle, c'est broken infusion. Avec l'état chargé. Alors faut absolument pas que j'enlève mon état de feu. Ça pas vraiment mais le péter ça. Des petites étincelles hein. De PB Chronos, bien joué à toi Dev to Chronos. C'est le boss, c'est un jeune porte de boss un peu. C'est gigantesque. Je fais tous les contours et... Ah oui, mais c'est vrai que je peux courir en fait. Excusez-moi pour les dashs. Faut qu'ils aient dit suivez les petits... Truc en or. Incantation requise. J'ai rien d'autre. Si j'ai un autre truc à récupérer, j'ai du mana genre. C'est où? C'est là. Oh putain. Des écuries? Il m'envoie des saucisses! Attends, c'est quoi? C'est quoi qu'il jette? Ah non, c'est des cœurs, genre. Ok, ça explose après ce truc. Ok, dès que je vais dans la zone. Et je peux sortir, mais j'ai un truc à récupérer en haut à gauche. Là, c'est pas ça. Restaurer une maison 30 HP, obtenez 11 de cendre. On va prendre ça, tu sais du pont. Sans dégâts, on prend ça aussi, de toute façon on va pas aller au shop là, on va aller au HP. Des saucisses. Essayez de pas backseat, challenge 100% impossible. Arrête, je suis... C'est normal que quand tu regardes un stream, t'as envie de, d'aider la personne qui joue tu. The underworld. Et tranquille, bon. Ok, comment on se retrouve? Comment on se retrouve? Arrête, c'est peut-être pas le même boss, si? Ah si, mon frère Cerber. Ah d'accord. Les gars, frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça prend vie. What? Oh, j'ai vu que j'avais l'ulti, hein. Le
bah excuse-moi mon gars. Oh non. Pas le fog. Les dégâts que je prends, frère, c'est une dinguerie. Après j'ai ma malédiction de l'autre, hein, mais... Il va respawn d'ici là. Oula, là ça dézoome. Il me touche, je meurs, je pense. Putain, j'ai pas assez de rien en fait. Où bon, à gauche, tu vois. On avance un peu, s'il te plaît. Et vous vous rendez compte quand même que je lui mets le truc d'après, ce qui fait qu'il me fait 15% de dégâts en moins. J'ai l'impression que je puisse le dodge vers le bas, ça. Peut-être 10% de dégâts en moins. Il me terrifie en fait. Putain, je l'ai même pas vu arriver, frère. Oh, les dégâts qu'il mettait avec la malédiction. J'ai joué comme une salope en plus. J'ai vraiment joué comme une chienne pour crever comme ça. Putain. Putain. Fuck. Dora, don't you pay any attention to what's been happening out there? Chier. The rise of the Titan of... Nope. Vous appuyez sur le bouton de dash pour courir vite. Ouais, je sais, j'oublie les gars. Après, ça me permet de faire des assauts à la fin. Merde, parce que... j'aime bien ce con. J'oublie qu'il y a cette mécanique là où tu peux run. L'invocatrice. 10 incantations et du chaudron des chemins. Ah, incantation apprise, l'appel de fin. J'ai sûr que tu as le clear, je suis déçu. Ouais, je l'avais. Mais il m'a mis un dash de baiser à la fin, frère. Tu sais que la malédiction, c'est... Pff, ça rigole pas. Blablabla. Ah, faut que je mette des trucs pense bêtes, ok. Welcome, Lord Charon. Each night, another possibility. Je sais pas si ça marche, ça. Ah merde, j'ai raconté un truc avec de l'argent alors que je voulais le garder, en vrai. Bien dit. Je sais même pas ce que j'ai fait. Fontaine Sylvestre. I'll keep this in mind. Oh, y'a Charon. Ces livraisons nous sont une aide précieuse, encore une fois nous sommes redevables. Charon, puisse Hermès s'attaquer au voyage à travers le royaume où qu'elle soit et que les ombres vous cachent jusqu'à notre prochaine rencontre. Ah, j'aimerais bien que Hermès, je l'aimais bien moi, c'était un bon. Et comment est-il arrivé pendant ton absence? Cette marchandise que tu vois près du quai est pour toi, nous surveillons les fleuves pour vous assurer qu'elle ne sera pas la dernière. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dédommager de tous ces efforts? Bien sûr, avec l'heure que nous avançons jusqu'à présent, il y aura intérêt à faire fondre tout l'heure de chrono jusqu'à la dernière pièce.
C'est-à-dire que je vais pas me battre contre... Qu'est-ce que je pense, Karen. Pas me battre contre le père Charon. Merci pour ça. Oh, je prends un petit nectar, j'en ai zéro. Des singes, je crois qu'il m'en faut deux. Je vais en prendre un. Tiens, avec le bonus d'Eris, c'est chaud. Ouais, c'est... 100% je le tue sans le truc, mais... Ok, Morus, une nouvelle fois, il parlait de lui. En contraire, t'as mis son contraire, mais chiche. Tu m'as compté ou pas? Ouais, j'ai fait une recette. C'est au pense bête. J'ai mis le pense bête, j'ai craft la recette, ça a marché. Donc généralement, j'ai... Hop. Je crois que j'ai plus de... Ouais. On peut pas planter ça ici. J'ai plus de graines. Et je peux craft un autre truc. Hop là. Quand tu le volais, qu'il te cassait la gueule dans le 1, t'es que mon rêve hein, que je battais contre Charon. Quand tu gagnais, frère, t'avais le truc pour réduire le... J'ai un peu eu ce que j'ai craft en fait. Ok, on prend une nouvelle livraison. Ah oui, ok. Il faut 3... Ah mais ça me consomme pas? Ah si, merde. Est-ce que les trucs sont restants sur chaque run et ce qui n'est pas restart? Globalement, en gros, tout... Regarde, je vais te montrer. Ce qui n'est pas restart, c'est ça. Et globalement, tous les bonus que j'ai eu, on reset, tu vois, on va dire. Et ça, par contre, ne bouge pas. Ce genre de truc, je sais quoi. C'est OP, ça. On peut pas le prendre après. Le truc est 20% plus rapide. On fout. C'est pas mal. Genre là, quand j'allais dans la run, ça aurait été insane. Ça, c'est vraiment bien, mais... Je peux pas trop le prendre. Ça, c'est pas mal aussi. Ah, j'ai oublié que j'avais ça. Il me faut plus de psyché, là. Vas-y, je vais débloquer ça. Ok, c'est loin d'être fini. Pensez chaque nuit avec un dé du destin. Ça, un dé du destin, ça permet de reset, de reroll des trucs. Volta et section de bienfaits, donc t'en as deux. On va prendre ça, ça c'est pas mal. Le bienfait qu'ils ont fait en 30% de chance d'être qualité rare ou supérieure. Pensez la nuit avec le pouvoir de transformer toute récompense mineure en récompense majeure jusqu'à une fois. Not bad. Ok, donc il y a ça que je peux pas prendre. Potentiellement, je suis à 16. Oh, je pense que je vais garder. On prendra plus de psyché, là on a plus besoin de psyché qu'autre chose. Ok, du coup j'ai eu ça de nouveau. Obtenez immédiatement 100 gold à dépenser comme bon vous semble. Sinon j'ai quoi? Lorsque c'était une zone, vous restez tout votre HP. Vie. Quand t'es vie que vous pouvez subir. Si j'avais eu ça, j'aurais win hein, le fight. Est-ce qu'on est gotesque ou pas? Prends les gold, vas-y. Ce sera gotesque. Je pense qu'on va rester comme ça. Hein. En fait, j'hésitais à reprendre la pioche. Vu que la pioche, ça me donne de la psyché. J'aimerais avoir de la psyché là pour l'instant. Je fais attention aux gens que je peux purifier. This is my path.